Bonjour mes amis. Nous continuons sur la quatrième série de notre tuto. Et cette fois-ci, on va travailler sur cet aspect. Avoir une autre partie et une autre partie, c'est-à-dire le rouleau de tarte et aussi la bouteille qui est là. Alors, comment nous pouvons réaliser cela? C'est ce que on va faire sur cette tuto. Alors, restez avec nous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et on commence. On ferme directement ça, mais je veux vous rappeler qu'on a bossé sur les personnes selon lesquelles ils ont des tâches. Tout ça, on l'a bien travaillé. On a même travaillé à beaucoup de choses selon lesquelles ça vous intéressera, bien sûr. Et chaque endroit et chaque image, c'est un tuto qui est déjà réalisé. Alors, sans oublier de vous abonner, mes amis. Alors, on retourne sur le rouleau de tarte. Là, on est là. On va le fermer complètement. On n'a pas besoin. Et on va commencer avec. Du coup, on vient directement fichier, ouvrir. Et on va prendre la fameuse rouleau à tarte. Voilà. Veuillez m'excuser. Oui, le rouleau à tarte est déjà sur place. Là, il n'y a pas de quoi. On va passer directement à la même endroit, fichier, importer. Et on va importer la fameuse bouteille. Et dès qu'il est là, on va cliquer OK ici là-haut. Et c'est bien, c'est fait. Et là, on retourne ici pour prendre le outil sélection rapide. Et on vient là. On va directement se positionner avec et on va cliquer ici. On descend un petit peu et c'est fait. Si nous zoomons un peu, c'est-à-dire CTRL plus, là ce qu'on appelle contrôle quoi. Si nous regardons contrôle plus, nous pouvons voir que il y en a un petit peu du parti du bouteille qui n'est pas du tout prise en compte. Alors du coup, on le balance. Voilà. Et si nous regardons ici là-haut aussi, nous devrons directement ajouter quelque chose. Voilà. Si c'est augmenté, il y en a un plus ici. Il y en a plus, il y en a moins. Vous venez directement utiliser celle du moins pour diminuer celle que nous on n'a pas besoin. Alors, je crois que tout est à la normale ou bien. De mon côté, j'espère que tout va à la merveille. Je ne sais pas de vôtre, mais là, tout va à la merveille. Alors, je veux faire contrôle moins pour qu'il retourne. Et après, on va faire directement un masque de fusion. Vous cliquez sur ce fameux bouton qui est là, ici, là. Ça, c'est fait. Après avoir fait cela, on va se positionner directement dans l'outil du déplacement. C'est celui-là. Qui peut déplacer, etc. et tout ça, mais on va taper directement contrôle T. Donc, on a un contrôle T, vous voyez, il y en a l'angle qui se forme, et là, on va faire comme ça jusqu'à, c'est-à-dire, on pouvait faire la rotation. Voilà, cet angle de rotation va nous permettre directement de faire la rotation, et cette touche-là qui va nous permettre directement de déplacer ce qu'on a envie de déplacer. Alors, voilà, on cache la moitié de la bouteille. Après, on va directement venir à la même endroit ou bien entrer. Vous tapez tout simplement le V qui est là. Voilà, là on a validé. Après ça, on vient ici. Outil pinceau. Vous cliquez ici, vous pouvez voir outil pinceau. Vous prenez l'outil pinceau. Vous regardez très bien que le blanc qui est en bas et le noir là-haut, et vous venez directement ici, de vous taper tout simplement ici pour enlever le petit bout de ce que vous n'avez pas envie directement de voir.
Alors, je crois que le tuto commence à trouver à sa fin. Et celui-là, c'est ce que nous voulons directement que vous faire face. Alors, mes amis, je toujours évoqué que cette formation, ça se trouve au centre social et culturel de Derklé. Là-bas, vous pouvez faire la maintenance, le office, Microsoft Office, Word, PowerPoint, etc. et tout ce qui va avec, mais aussi l'infographie. La formation est gratuite et là-bas, on vous donnera bien sûr de l'attestation à la fin de votre formation si bel et bien vous êtes à la hauteur. Alors, ce tuto, c'est pour aider aux gens qui n'arrivent pas directement à comprendre la chose, de mieux s'adapter, ou bien si vous comptez directement aller là-bas faire cette formation, que on pouvait directement vous donner un point d'appui. Alors, j'espère que ce tuto vous a été utile. Et si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne. Ne oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Et moi-même et mon équipe tout entière vous remercia énormément de toute notre fameuse existence. Alors, je peux vous dire ciao et je vous aime beaucoup en plus de cela. Merci.